Ainsi que Londres, il faut dire que Londres c'est un catcheur expérimenté qui est de Kambov et Dani, il est catcheur de Lubumbashi, même si Dani c'est un catcheur assez maïdnaïe et qu'on a expérience, mais il n'a pas de l'expérience plus que Londres, mais Moukatch, il n'a pas d'expérience, il est en contact. Il faudra dire que Dani c'est un jeune qui monte en puissance et de l'autre côté, son adversaire Londres également, c'est un adversaire qui peut facilement s'en sortir cet après-midi. Voilà, démarrage du combat, 15 minutes sans repos, style français. Voilà, mesdames et messieurs, sur le ring, descente, ça c'est Londres. Ça c'est Londres, il est là, vêtu en tenue de militaire. Yeoulé, il inflige des coups catastrophiques à Dani Lunkamba. Voilà, nous assistons au premier combat, nous insistons. Léo, nous avons besoin du respect. Nous avons besoin, il y a Bafanatik, Balebeko Nashikia. Yakusema resté en dehors, il est ma limite, Bachakweka. En tout cas, Fanatik, où est-ce que Mangaribi à Léo. Il va regretter. En tout cas, les fanatiques, je vous préviens, Moucheshimi, comportez-vous convenablement pour que nous puissions terminer en beauté. Nous avons commencé en beauté, que nous puissions finir en beauté. Voilà, sous les rings, concentration de deux catcheurs. C'est quoi le mouvement? Attention, Dani. Dani, que va-t-il faire? Voilà, on a récupéré Moukou, lui à gauche. Il y a Londres, il donne un coup. Voilà, les travailleurs. Deuxième coup de nid. Il faudra signifier que Dani, c'est l'un des formateurs, voilà, mon club Safari, c'est lui qui apprend les quatre, c'est lui qui forme des leaders dans mon club Safari. Il est là. Voilà, il donne encore une fois un autre coup, attention. Voilà, Dani, très concentré, c'est très déterminé. Favori malgré l'expérience de Londres en Piboya. C'est mal Londres, il est vieillissant, même s'il a de l'expérience, mais quand même Dani, il me semble que Dani est favori dans ce combat. Attendons voir Pichung est tourné, peut-être que l'expérience de Londres va payer Mouy combat. Voilà, Londres, il vient de récupérer Dani Lunkamba. Que va-t-il faire comme mouvement? Voilà, on a récupéré Mukono à gauche, on est petit Chakou Mukongo. Attention, il va chuter avec le crâne. Il y a catcheur Dani Lunkamba. Voilà, Londres, il est là, en train d'infliger de la technique à son adversaire. Voilà, directement, les deux catcheurs, préparez-vous juste après ce combat. Bouton magique face à Baoba. Les deux catcheurs, préparez-vous, Baoba face à Bouton magique. C'est le deuxième combat de l'après-midi. En entendant ce combat, nous assistons au combat qui met aux prises Dani face à Londres, Yampi Bouevala. Londres, aujourd'hui, on dirait qu'il n'est pas vraiment
il n'est pas vraiment en forme, peut-être ni défaite face à Jibik, il est chaque Mouchoke Chassana. Et pourtant, rien à Mupingi à Jibik, mais malheureusement, c'est dernier qui a perdu face au champion du Grand Katanga. Voilà, que va-t-il se passer? Voilà, Londres, toujours la technique, la première partie, elle a toujours été réservée à la technique. C'est ça même la particularité du catch congolais. Le catch congolais, il est différent du catch américain où vous pouvez voir de la technique du début jusqu'à la fin. Mais ici, dans les catch congolais, vous allez voir de la technique comme elle est souvent divisée. Donc le combat des catch qui est souvent divisé en deux, la première elle est réservée à de la technique et la deuxième elle est réservée non seulement à des superstitions, on peut dire qu'elle est réservée également à de la magie et même au divertissement. Attention, voilà, Londres Yampiboué, téléchargement, il donne un coup de la poitrine, Daniel Nabisha, c'est ma vieille tambour calé au coup de tête, rien du tout, Yampiboué, certainement qu'il aura besoin de la fanfare de l'autre côté, ah non, qu'est-ce qu'il demande? Il envoie Dani dans son coin. Voilà la fanfare qui essaye de l'accompagner au rythme de Moussou Dembassou. Voilà Londres qui a demandé à Dani qu'il puisse apporter le saut qu'il a réservé cet après-midi. Ah voilà, oui, les briquets, tu ne calacas souvent mal. Qui va se transformer aujourd'hui? Nani Atenga Mupissim Jacoumagé. Est-ce qu'on va utiliser les mêmes numéros contre Dani Mukamba? Ah c'est ma Fouata. Fouata Koumba Koule Kouminda. Voilà, trop de résistance. Dani, il y a du feu à l'intérieur. Ah non, Dani Mukamba, contact de l'arbitre. Est-ce que ça sera la fin? Le temps de Kechi. Peut-être qu'il y aura de l'eau. Peut-être qu'il y aura de l'eau. Voilà Dani. Anna Souchambele m'a prêté Niaki. Voilà. Oh non. C'est quoi ce spectacle? Attention. Qu'est-ce qui va sortir du jeu? Voilà Dani. Dani qui se concentre. L'homme également concentré. Trop de distance entre les deux. Voilà. Dani. Anna Mouika, c'est l'ombre, viens voir à l'intérieur du zoo. Est-ce que Moutato Kamaï? Ah, c'est ma foi, c'est la Koumba. Ah non, Maïna Toka, et pourtant il y avait du feu il y a un moment. Ah voilà les spectacles. Vous êtes donné. Attention, est-ce que l'ombre attenda? Voilà, l'ombre est parti. Je doute fort que Dani, voilà. Dani partait favori malgré l'expérience. Il y a Londres, il y a Mpibwe. Voilà, très belle victoire à Saint-Nicolas, s'il vous plaît, pour Dani Mukamba. Ah Londres en perte de vitesse dans cette ouverture de la saison. Voilà, félicitations à Dani. C'est pas facile de s'imposer face à l'un des catcheurs du renom, mais quand même. Dani est parvenu, attention, Goldberg, il est parti. Voilà, très belle victoire de Dani Mukamba, mais la sportivité de Londres, elle a toujours été la bonne. Mesdames et messieurs, deuxième combat, bouton magique face à celui qu'on appelle les catcheurs Baoba. Donc bouton face à Baoba, les deux catcheurs vous êtes attendus. La fanfare de l'autre côté va nous aider à appeler ces deux catcheurs.